Son nom est apparu dans les Panama Papers et le ministre espagnol de l'Industrie, José Manuel Soria, a dû démissionner. Pourtant, il y a quelques jours, le ministère de l'Économie annonce sa nomination à un poste de directeur exécutif de la Banque mondiale, un emploi rémunéré plus de 220 000 euros par an. Consternation en Espagne et un scandale de plus pour la droite espagnole qui a retiré sa candidature.